peux pas. Couper la parole. Non, c'est génial parce qu'on s'entend vraiment très très bien dans la vie, ce qui fait que je pense que ça se verra à l'écran. L'amitié et puis ce qui se passe à l'écran, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. Je suis un professionnel. C'est pour ça en fait, excusez-moi. Je pensais que c'était vrai. Non, en fait, non. Dans ce film, je suis lieutenant Aurélie Lefebvre et je fais partie de l'équipe des enquêteurs. On forme un duo avec le capitaine Bruno Romagna, qui lui est né dans la région. Donc c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur lui pour comprendre un petit peu la psychologie des habitants et pour essayer d'élucider ces mystères, parce qu'il y en a beaucoup. Allez, moteur! C'est un tueur en série qui agit autour du lac Pavin. Il s'inspire d'une légende où le diable regardait les pêcheurs sombrer dans le lac, hein, où il les précipitait pour les punir de leurs péchés. Ok, alors on reprend au début s'il vous plaît. Allez, attention moteur. Il est en plein divorce, il gère une nouvelle recrue qui en veut énormément et qui est aussi une tronche et qui lâche pas les choses. On sait pas trop avec lui, on sait pas trop jusqu'à se demander s'il est pas un peu coupable. Monsieur, vous reculez encore un tout petit peu, si vous proposez pas. J'ai découvert cette région, l'Auvergne. J'ai eu la chance de la découvrir il y a 3 ans. Et pourquoi la chance? Parce que j'ai découvert avec quelqu'un qui aime sa région et que j'aime particulièrement. Tourner aujourd'hui ici était vraiment un joli cadeau. C'est vrai que c'était un double, c'est au-delà de tourner un film, c'était aussi être ici. C'est juste génial. Je prends un plaisir à être ici. D'ailleurs, je ne rentre pas à Paris pendant les week-ends. Je reste ici. Et là, c'est un émerveillement. Chaque jour, chaque matin, on découvre un décor nouveau. Tout le monde a le smile. On est vraiment, vraiment content de commencer, même si forcément le rythme est difficile. C'est tous les jours. C'est fatigant, mais quand c'est fait dans ces conditions-là, on n'a pas envie que le tournage se termine.